سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها المؤمنون، أيها الإخوة، الآباء والأمهات والأبناء، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، طوبى لكم أيها الإخوة. ويا لفرحة ولا يا سعادة من وفقه الله عز وجل إلى الصلاة وإلى المجيء إلى المسجد. Quelle joie et quel bonheur que vous soyez et qu'on soit parmi ceux et celles qui ont eu la possibilité de venir assister à la prière de vendredi. دخلت متأخرا قليلا لأن كانت في أخت أرادت أن تدخل في الإسلام، وبحثت ووجدت أن الخير في هذا الدين، وأين خيري الدنيا والآخرة؟ في الاستجابة لنداء الله عز وجل. فرحت باختيار الله عز وجل لها، وفرحت باعتناقها للإسلام، فكانت دموع الفرحة أيها الإخوة تنزل فرحا بالعودة إلى الله عز وجل. ولا بد لنا ولكل واحد منا أيها الإخوة أن يفرح ويسعد باليوم الذي تاب الله عليه عز وجل. Suis sorti en retard, suis arrivé en retard là parce qu'il y avait une jeune fille qui est venue pour se convertir à l'islam. Elle a fait son choix, elle a cheminé, elle a cherché depuis longtemps et longtemps parler de l'islam, et aujourd'hui elle a eu cette lumière. Cette lumière d'Allah Azza wa Jal qui s'envoie dans les cœurs et que personne ne peut l'envoyer si ce n'est Allah Azza wa Jal. La conversion, الدين, حب الله, l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est une chose qu'on ne peut pas donner aux gens. C'est une chose qui se donne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te vois assis, et ça je le dis et je le répète à tous les frères et à toutes les sœurs sans aucune exception, quand tu vois que tu es sorti de chez toi, tu as laissé ta maison, tu as laissé tes enfants, tu as laissé ton travail, et tu es venu pour rentrer à la mosquée, eh bien c'est un choix d'Allah Azza wa Jalla. C'est une élection d'Allah Azza wa Jalla. Il t'a choisi parmi des milliards et tu dois être content de ceci. Et je vois un tafrah. Oui, je vois un tafma'aïm. Oui, je vois un taf qui farah. L'Allah Azza wa Jalla akhtarak wa ja'a bika ila bayti. Thumma yakoum laka ba'da salat maghfoum laka ya abdillah maj'alna min aladina taqfiru l'ahmi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuh l'ikhwa, Allah Azza wa Jal ikhtarana wa yarzuquna wa yasturuna ويستر عيوبنا ويرحمنا ويسقينا ويشفينا من الأمراض ويعطينا العمل ويعطينا زوجة يعطينا أولاد يعطينا سيارة يعطينا صحة عافية، وذلك يستوجب منا الشكر وأن نسجد لله عز وجل في صلاتنا. Donc Allah عز وجل nous a donné la santé, vous a donné de l'argent, vous a donné une femme, vous a donné un mari, et vous a donné des enfants, et vous a donné une voiture, un travail, de la santé, de la... Eh bien, ça demande et ça mérite qu'on se pose ou qu'on pose ce front-là par terre pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa satakunu mimman yunadihim Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah. Sinon, tu seras parmi eux qui seront appelés. Ya ayyuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Ce message. Ya ayyuha al-insan, ô l'être
l'être humain. Il dit, toi, moi, vous, l'être humain, pourquoi tu as abandonné Allah Azza wa Jalla? Pourquoi tu l'abandonnes? Pourquoi tu tournes le dos? Pourquoi tu vas voir quelqu'un d'autre? Ma gharraka bi rabbika al-karim. Tu as laissé Allah le généreux. Qui? Alladhi khalaqak fasawwak fa'addalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans la glace. Dans un miroir. Regarde comment Allah Azza wa Jalla t'a créé. Allah Azza wa Jalla, ya Abdi, ma gharraka bi. Pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu m'abandonnes et tu vas ailleurs? Pourquoi tu laisses mon chemin et tu vas chercher les autres chemins? Je t'ai créé avec mes propres mains. Khalaqtuka bi yadi. Je t'ai créé avec mes propres mains. Pourquoi tu me tournes le dos? Pourquoi tu laisses ce que je t'ai demandé de faire? Celui qui t'a créé, celui qui te nourrit, celui qui te donne tout ce que tu as aujourd'hui, celui qui t'a fait grandir, l'a dit bi ni'matihi asbahta rajulan, asbahta imra'atan, انظر الى خلقك, regarde ta créature, انظر الى خلقك, انظر كيف خلقك الله سبحانه وتعالى. Allah عز وجل يقول لك يا عبدي إذا منعت منك أو إذا منعت عنك شيئا فاعلم أن ذلك لحكمة. يا إخوان هكذا يجب أن نتعامل مع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول لك quand je t'interdis quelque chose, et bien sûrement il y a une sagesse derrière. Mais je ne t'interdis pas des choses comme ça. Je ne t'interdis pas d'alcool comme ça au hasard parce que j'ai envie d'interdire. لا أبدا وراء كل تحريم كان هناك حكمة يريد ولا يعلمها إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى كي لو سي. Il y a certainement une sagesse derrière tout ça. وإذا أمرتك بشيء فاعلم أن في ذلك مصلحة لك. Quand je te demande de faire quelque chose, eh bien sache bien que c'est pour toi que je te demande de faire ça. هل الله عز وجل يحتاجنا؟ Est-ce que الله سبحانه وتعالى a besoin de nous? Est-ce que l'islam a besoin de nous? C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui avons besoin de l'islam. Nahnu man yahtaj l'islam. Nahnu man yahtaj Allah subhanahu wa ta'ala. Si je te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a un bien pour toi. Et subhanallah, Allah azza wa jalla khalaqana wa ya'rifuna fa yaqulu lana fa ayna tadhhabun? Fa ayna tadhhabun? Ayna tadhhab? D'accord, tu as tourné le dos, tu repars, mais tu vas où? Jusqu'à où? Aïna satadhab? Mada satarji? Man inda man satadhab? Man yanfa'u? Tu penses que quelqu'un va t'aider? Le jour, au moment de la venue, au moment de la mort, au moment du départ, nous avons un frère aujourd'hui, encore une janaza. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Au moment du départ qui va te rendre service, le jour où tu vas dire Rabbi irji'oun, man, ya Allah, remets-moi sur terre, tu trouveras qui ce jour-là? Fa'ina tadhab, inda man tadhab, tu vas appeler qui? Ta femme? Eh bien, sache bien que le jour où tu seras dans l'inceul, peut-être qu'elle aura peur de toi. Tes enfants? Eh bien, sache bien que le jour où tu seras dans un cercueil, eh bien, le jour où tu pars, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans ta chambre, ils vont avoir peur. Tes amis, eh bien tes amis vont remettre la terre sur toi, ils vont repartir. Le plus aimé, celui qui t'aime le plus. الذي يحبك أكثر من الناس قد يشجعك ويذهب معك للجنازة ولكن يرد عليك التراب ثم يرجع ويتركك. لمن تذهب إذا؟ Tu vas qui chez qui alors? Tu vas chez qui? Qui pourra te rendre service? من لك غير الله؟ يا إخوان من ضيع الله ضيع كل شيء. Celui qui abandonne Allah Azza wa Jalla, il a abandonné tout. Celui qui est abandonné par Allah Azza wa Jalla, il est abandonné par tout le monde. Ça me fait pas rire. Ça fait pleurer. L'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, on laisse Allah Azza wa Jalla, on laisse les chemins d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et puis on part. Et surtout pour le jeune, surtout pour nos enfants, qui n'ont pas encore compris le sens de la chose. Il y a des moments, il est le temps, et c'est le moment de se réveiller un petit peu et de dire non, halte,
stop au péché, stop les erreurs. Aïna Adam, je vais où? Je vais où? Fa'aïna tadhaboun? Allah subhanahu wa ta'ala a dit le jawab fi aya okhra. Et il nous donne la réponse dans un autre verset. Fa'firru ila Allah. Fa'firru ila Allah. Fuyez, partez vers qui? Allah. Vous savez, c'est le seul qui pourra te sauver. Le wahid. Alladhi yunqidhuk wa yunajjikhu wa Allah subhanahu wa ta'ala. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر من ينجيك قل الله c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait. Et le problème qu'on est ingrat, l'insan canoud. فإذا مسخ إنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. L'ingratitude totale. Il demande à Allah Azza wa Jalla, quand on lui donne ce qu'il voulait, il va dire, bah, j'ai eu ça grâce à ma force, grâce à ma science. Tu vas faire qui? Il a même dada. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fafirru ila Allah, innani lakum minhu nadhirul mubin. Faman daya Allah Azza wa Jalla, daya kulli shay. Idha sallayt, ya ikhwan, idha sallayt, idha qulta Allahu akbar. Quand tu dis Allahu Akbar, quand tu rentres dans ta prière, eh bien, tu es entre toi-même et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla yaqulu lak, fa'idha faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Ila rabbika farghab. Nous n'avons plus le temps, malheureusement. Nous n'avons plus le temps pour Allah Azza wa Jalla. C'est malheureux de dire ça. Nos jeunes n'ont plus le temps pour leur prière. Ils n'ont plus le temps pour leur pratique. Ils n'ont plus le temps pour le... Ils passent leur temps dans la rigolade. Ils passent leur temps à jouer. Leur temps à dormir. Leur temps à se rassembler dans les cages d'escalier. Et voilà l'été qui arrive. L'été qui arrive. Et vous voyez des douloureux, blalab. L'été arrive et on voit les jeunes, négligence de la prière. Ils partent en voyage, ils partent à la plage, ils partent aux piscines, ils partent en voyage avec leurs amis. C'est fini la prière. Et c'est malheureux. Et ça, c'est pas que les jeunes, même les grands. Ils avaient envie des choses pendant les vacances terribles, subhanallah. Là, ils passent, le frère ou la sœur, ils passent l'année à la mosquée. Et puis quand il va au bien pendant l'été, il va à la plage. Avec tout le monde. Certes, je ne suis pas en train de dire que la plage est interdite. Alhamdoulilah, il y a des plages où il n'y a personne. Tu peux passer ta journée là-bas. Mais aller dans une plage où il y a le houri, où il y a la yastahil insan an yandura ilay, il passe la journée là-bas. Ou le hajja, elle passe la journée là-bas. Ou le hajja, ou le hajja, ou le hajja, ou le hajja, donne-moi le chapelet pour que je fasse tsbih. Ah, tu sais, mon frère, je vais faire ma prière. J'ai pas fait l'asr, j'ai pas fait dor. Tu étais où? J'étais à la plage. J'étais à la plage. J'étais avec des amis, j'étais fatigué. Après, il dit, est-ce que je peux rassembler dor, le maghrib et l'isha? Est-ce que je peux faire l'isha? Je suis vraiment fatigué. Tu étais où? Il était à la plage. C'est à vous que j'adresse cette parole à l'isha. Vous, quand vous partez en voyage, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, Dieu qui est là, qu'on adore ici dans cette mosquée, c'est le même qu'on adore partout dans le monde. Là où on voit, il nous surveille, il nous regarde. Soyons sincères avec nous-mêmes. Et c'est comme ça, nous soyons. As-salat, ayyuha al-ahibba. Qulna anna as-salat tu'allimuna al-nidham. As-salat tu'allimuna al-adab. As-salat tu'allimuna الرحمة الصلاة كما قال لي أحد إخوة الصلاة تعلمنا حتى غض البصر même le fait de baisser son regard à l'extérieur et ben tu l'apprends dans la prière تتعلمه في الصلاة tu l'apprends dans ta prière tu apprends à baisser ton regard تتعلم في صلاة كيف تغض البصر النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا أردت أن تصلي انظر إلى موضع السجدة لا تطلق ما تطلق عيناك يعني إلى تصرع عينك اليمين وشمال شمال ويمنة ويسرى والفوق انظر إلى مكان السجود تعلم
Apprends à baisser ton regard à partir de ta prière. Apprends à être rahim. Apprends à être miséricordieux dans ta prière, par ta prière, grâce à Allah Azza wa Jalla, puis grâce à ta prière. Lidalik ayyuha al-ikhwa, quand vous lisez le message dans le Coran al-Karim, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal-munkar. As-salat, elle nous aide à évoluer, à cheminer, à être propre, à être respecté, à être respectueux, à être réglé, à être une personne qui a des valeurs, qui a des... Hakala al-salat. Amma idha kanat as-salat. Lidalik ana qul li-ikhwa, lamma tadkhul al-masjid, idha wajadt nafsak bi-annaka kharajt min al-jum'ah في نفس الحالة اللي دخلت بها فهناك مشكل. Si tu trouves que quand tu sors de la mosquée après la prière, tu sors dans le même état dans lequel tu es rentré, c'est qu'il y a un problème. Mais il faut que quand, supposons par exemple, tu rentres, tu sors de chez toi, tu es énervé un petit peu, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu sors de chez toi, tu vas faire salat al-asr dans la mosquée, et bien si tu reviens chez toi et que tu es dans le même état de départ, c'est qu'il y a un problème, c'est que ta prière n'a pas eu d'effet sur toi. Et ça, c'est un problème. Il te dit, il y a un mouchki. Il y a un salat, ou salat, tu m'as dit, tu dis, tu as trompé. Tu dis, salat, elle t'apprend la patience. Elle t'apprend le quand tu rentres, dans ta prière, bien comme Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, Dieu te le dit. Dans un hadith, qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur. Quand tu dis alhamdulillahi rabbil alamin, Allah il te dit hamidani 'abdi, mon serviteur m'a loué. Ar-Rahman ar-Rahim, majadani 'abdi, malik yawm ad-din, athna 'alayya 'abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. هنا يقول الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اسأل هل هي الصلاة؟ Et quand tu arrives, c'est toi que nous implorons et c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons secours. Allah سبحانه وتعالى il t'a fait une prison. C'est entre toi et moi. Demande ce que tu veux. ماذا نقول بعد إياك نعبد وإياك نستعين؟ اهدنا الصراط المستقيم. Guide-le le droit chemin. الله عز وجل يقول لكل ملائكة تقول هديت وكفيت. هذه هي صلاة. أنك تخرج من صلاتك وأنت مغسول نقي. Tu sors de ta prière propre de tes péchés, propre des bêtises, propre de المشاكل, propre de l'homme. Tu oublies les soucis de la vie d'ici là. والله العظيم أيها الإخوة. ولا داعي للحلف. من توكل على الله عز وجل يذوق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. صدقوني أيها الإخوة السعادة كل سعادة في التوكل على الله. Le bonheur, les jeunes, le bonheur, votre bonheur, c'est dans votre confiance que vous mettez en Allah Azza wa Jalla. Croyez-moi, l'argent, des crédits, des dettes, de l'argent, des problèmes, tout se résout grâce à Allah Subhanahu wa Taala. Aie confiance en lui, il ne te laissera pas tomber. Mais sois sûr, t'as l'année à ton cas, il ne te laissera pas mourir de faim. Ne t'inquiète pas, tu auras tout ce qu'il faut. Ya Ikhwan, Allah Azza wa Jalla razaq Fir'aoun, razaq al-Namrud, razaq kuffar Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à boire et à manger, il a pris en charge Fir'aoun, qui a dit je suis votre grand seigneur. Al-Namrud qui a jeté Ibrahim dans le feu. Les mécréants qui ont frappé le prophète, il leur a donné à boire, il leur a donné à manger, il leur a tout donné. Tu penses que ça va me fatiguer de te donner toi dans cette existence alors que tu te prosternes? Razaq kull ha'ula'i, yani hadi li kanu min a'da' al-islam, yarzuqu Allah 'azza wa jalla wa yasqih, kadhun annahu sayut'ibuhu, raghifun yasqahu lak wa anta tasjudu Allah 'azza wa jalla wa taqul subhana rabbiyal a'la. Abadan. La yut'ibu dhalika Allah 'azza wa jalla wa la yut'ibuhu shay'. Allah Azza wa Jalla ne va pas se fatiguer à te ramener ça. Hacha wa lillah. Et il ne te laissera pas tomber. Tawakkal alayh. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui, il ne te laissera pas. Les êtres humains, oui, je suis d'accord avec toi, ils peuvent te laisser tomber. Quand tu t'appuies sur quelqu'un, eh bien, il peut te laisser tomber. Et ça peut arriver. Et on a même beaucoup. Lakin Allah Azza wa Jalla, il a tawakkal ala Allah. Fa huwa hasbuh.
Et celui qui s'appuie sur Allah Azza wa Jalla, ça te suffira. Il faut qu'on revoie un petit peu notre relation avec Allah Azza wa Jalla. Et ça commence par quoi? Ça commence par la prière. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Protégez-vous pendant cet été-là. Protégez-vous pendant cet été, vous serez protégé contre le feu de Jahannam. Vous avez vu la chaleur qu'il y a? On n'arrive pas à supporter le soleil. On n'arrive pas à supporter la chaleur de cette vie d'ici-bas. Qui est-il ou qu'en est-il de la chaleur de Jahannam? Alors protège-toi, l'été arrive. Fais-toi un programme. Et alhamdoulilah, maintenant dans les mosquées, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des séminaires, il y a des cours, il y a tout ce que vous voulez. Protège-toi. Tu voyages, ben tu as le droit de voyager. Il y a des limites. Il y a un cadre à ne pas dépasser. Avec des jeunes qui il va faire la prière en short, dans la plage, en short. Oui, certes, il n'est pas dans la prière, subhanallah. Sois pudique un peu. Sois pudique un peu. Tu fais la prière dans la plage, en short, devant tout le monde. Quelqu'un a un mouhaf al-salah. Incroyable, c'est un mouhaf. Cherche une mosquée, va chercher, va faire ta prière dans la mosquée. Va faire la prière en groupe. Et que ce soit pour les frères ou les sœurs, faites attention. As-saif, ayyuha al-ikhwa. As-saif, katkhaf al-mashakil. Pendant l'été, il y a beaucoup de problèmes. Il y a l'ouli. Il y a les gens, ça y est, ils délaissent. La khawat, l'ikhwa, on les voit, subhanallah, vous. Même à l'extérieur, quand ils. Des fois, ils dévoilent l'akhir, parce que. Il va mettre un khamis, soi-disant c'est un khamis, alhamdoulilah, mais on voit tout son corps à travers le khamis. Là, suite au rojou là. Le rojou là, c'est de la pudeur. Sois pudique, subhanallah. Habille-toi, d'accord, il n'y a pas de problème, mais sois pudique. C'est pas parce que c'est le monde l'aura, ça y est, je crois que c'est le sadaq. Ce n'est pas parce que ça y est, l'aura, c'est entre du nombril au genou que tu vas sortir torse nu devant tout le monde. Là, un peu de pudeur, on apprend dès l'enfance, on apprend à nos enfants. Que Allah subhanahu wa ta'ala anitouba alayna, wa nij'alna minal muhafidina ala salat, wa qu'Allah azza wa ta'ala anna ila dinihi raddan jamilan, innahu sami'un mujib. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله سبحانه وتعالى nous appelle, أيها الإخوة, il te dit quand tu viens vers moi, vive ton cœur. Vive ton cœur. Rentre dans ta prière apaisée. دخل إلى الصلاة وقلبك فارغ الحمد لله قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى وأنت على يقين أن الله عز وجل الذي يضيعك. Sois confiant, il ne te laissera pas, et j'insiste sur ça, je le répète plusieurs fois, il ne te laissera pas tomber, même si tu as besoin d'argent, même si tu as besoin de te marier, tu as besoin d'une bonne santé, et bien Allah Azza wa Jalla ne te laissera pas tomber, appuie-toi sur lui et tu vas voir, Inch'Allah. Nata'allam min as-salat at-ta'alaf wa wahdat saf. On apprend du salat la fraternité, l'égalité, l'amour entre nous, à aimer son frère, à être miséricordieux envers lui. Combien de frères, malheureusement, aujourd'hui, la prière côte à côte, ils ne se parlent même pas. Qui sont des hadas, voilà, ils étaient là. Combien de frères qui font la prière à vivre dans le même rang. Voilà, il est parti, il a fait des déclarations mensongères, ou que monsieur dans la mosquée, il a fait ça, il a fait ça. إذا رأيته يعانقك كما قال الشيخ كشك رحمه الله يعانقك بعناق أبي بكر وقلب أبي لهب والعياذ بالله. Quand tu le vois, il te prend ses bras, dans ses bras, on dirait Abu Bakr رضي الله عنه, mais dans son cœur c'est Abu Lahab. تعلموا من صلاة الأخوة والحب فيما بيننا الرحمة فيما بيننا نبدو أولادنا نبدو والدنا commence par nos enfants, par nos parents et par nous-mêmes et par nos frères et nous qui sommes là aujourd'hui. Nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal, nous avons besoin de l'un a besoin de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala an yarhama akhana alladhi tuwaffa, Allah yarhamu rahmatullahi wa salam.
والله عز وجل باش يرزق الاهل ديال الصبر والسلوك. اللهم الحقنا به صالحين غير مفتونين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم ارحم جميع اموات المسلمين. اللهم ارحم جميع الاخوه اللي كانوا معنا والاخوات اللي كانوا معنا هم الان تحت التراب. اللهم ارحمهم رحمه واسعه. اللهم ارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم مشايخنا وارحم له الفضل علينا وارحم من اوصانا واستوصانا بالدعاء. اللهم تب علينا توبه ترضيك. اللهم تب علينا توبه ترضيك. اللهم اجعل قلوبنا واجعل في قلوبنا الرحمه واجعل في قلوبنا الحب والحنان. اللهم اقذف في قلوبنا حب الصلاه. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاه. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاه. قل ما تسمعون واستغفروا الله لكم فاستغفروه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اخواني كونفو فولوفي اي سيدا موسي الماكسيم نايتس بوخيفاس كيف كنتم.